Et vous avez un invité surprise. Oui, salut Olivier, c'est Régis Laspalès, agent à la SNCF. Au sujet du grand débat national, tu as déclaré « Nous espérons des milliers de réunions ». Alors nous aussi à la SNCF, on adore faire des réunions. Une réunion pour décider s'il faut faire grève, une réunion pour voter la date de la prochaine grève. On fait même des réunions pour décider si on doit faire d'autres réunions. Faut pas croire, faire des réunions, c'est du boulot. Alors voici ma question. Selon toi, une émission chez Hanouna avec Marine Schiappa, ça équivaut à combien de réunions? Ça, c'est peut-être à vous qu'il faut renvoyer la question. Ouais, mais il y en a qui ont essayé de ne pas répondre, ils ont eu des problèmes. La dernière fois que je vous ai rencontré, vous avez imité François Hollande et au ton de votre voix à cet instant, j'ai cru que vous aviez recommencé. Ah d'accord, non, c'est pas le même. Non, c'est pas le même, c'est pas le même, c'est ça la surprise. Du coup, il n'a pas répondu, t'as vu. Ah, il est fort. Il est malin. Il y en a qui ont eu des problèmes. Bon, on va laisser prendre le train, justement, pour aller dans la Valence. Il y a une petite surprise de prévu pour le chef de l'État, non? Parce qu'on sait qu'avec Emmanuel Macron... Tout peut arriver. Il y a une réunion de prévu et puis il peut aller ailleurs, non? Nous avons une rencontre avec les maires. Nous avons aussi, nous irons avec lui visiter une structure d'accueil des personnes âgées qui accueille des services civiques. Ouais. Et je pense que ça sera, dans ces deux moments, l'occasion de belles rencontres pour le président de la République. Et de rencontres avec, pourquoi pas, des citoyens. En direct. Tout le monde est citoyen et je pense que dans la structure que nous allons visiter, le sont tous effectivement. Ouais. Merci Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes Publics, qui était l'invité ce matin de Sud Radio. Et merci beaucoup Daniel Moreau, qu'on retrouve bien sûr à 8h20 sur Sud Radio. Restez avec nous, il est 7h57.